Il y a 86 suppressions de postes qui sont programmées au niveau des professeurs et aussi 4 suppressions de postes au niveau des personnels administratifs. Donc on n'est pas du tout d'accord avec cette situation et donc c'est pour ça qu'on est mobilisés en grève et rassemblés devant l'établissement. On sait bien qu'il y a beaucoup d'enfants en fait, qui sont dans des familles modestes ou des familles qui ont des difficultés. Et en fait, l'investissement dans l'éducation n'a jamais été à la hauteur de ces besoins. Au niveau des syndicats, on a fait le calcul. Depuis 2011, on avait déjà perdu 500 postes de professeurs. Et donc là, on va rajouter, enfin, le ministère a prévu de rajouter encore 86 suppressions. C'est vraiment beaucoup.